Sacre FM, une radio à l'école. Maintenant, nous allons tout de suite faire un comparatif des goûts des différents produits Oxfam par rapport aux goûts des produits de la vie de tous les jours. Donc voilà, Théo s'occupe que les deux Kobe ne voient absolument rien. On va commencer avec les tartines au choco. Donc on a les tartines au choco Oxfam et les tartines au choco Bonnie. Donc c'est entre le Nutella qui est pas bon et le Squatta qui est super bon. On va tout de suite voir ce qu'ils pensent de chacun des produits. Vous pouvez approcher du micro et dire un peu ce que vous pensez de la tartine que vous mangez. Alors selon vous, est-ce que c'est la tartine au choco Oxfam ou Bonnie? Oxfam. Bonnie. Vous avez exactement la même tartine chacun. Allez, décrivez un peu le goût de ce que vous avez. Comment est la pâte? Allez-y, approchez-vous du micro et n'hésitez pas à parler. Ben, elle est assez collante au niveau des dents et elle a un petit goût amer. D'accord, petit goût amer. Elle a un bon goût de chocolat. D'accord, merci. Assez fort le chocolat. Alors maintenant, vous allez garder la tartine que vous avez dans la main et vous allez prendre aussi l'autre bout, le petit bout coupé. Elle est où? Voilà. Mais t'as plus besoin de... Elle est là. Donc maintenant, vous allez goûter. Allez, vous pouvez goûter, manger, allez-y. Et dites-moi si c'est Bonnie ou Oxfam. Alors, selon vous. Bonnie. Et... Donc il maintient son choix. La Bonnie, l'autre était l'Oxfam, je crois. La bonne réponse était la première Bonnie, la deuxième Oxfam. Bah, elle est trop bonne, donc alors quel est le goût de la Oxfam? Apparemment, elle ressemble fort quand même à la pâte à tartiner qu'on a l'habitude de manger, non? Ben, il est quand même très bon et on sent vraiment bien le chocolat. Merci. Alors maintenant, vous allez passer. Théo va se rapprocher. On va ouvrir les deux canettes. Maintenant, donc, c'est le cola qui passe. Donc voilà. Alors, vous pouvez vous approcher du micro. C'est du coca. Ouais, c'est du coca. Du vrai, du bon, du pur, du dur. On verra ça à la fin. Tout le monde connaît, je pense, le coca, super sucré. Bon, un goût pas forcément extraordinaire, malgré le taux de sucre et d'acide qu'il y a dans cette... J'ai pas dit de gros mots. Donc maintenant, ils goûtent l'autre cola. Ça, c'est un produit dont on goûte nettement la différence. Ouais. Donc voilà, vous allez dire... vous savez quel... Lui, il a ses goûts citronnés à la fin. Ouais. Il est un peu moins fort que l'autre. Ouais. Alors voilà, donc un goût citronné, c'est vraiment la chose qui revient le plus. Puis pour certains qui s'y connaissent plus, on sentirait même plus la vraie noix de cola dans le Coca Oxfam. Donc moi, c'est celui que je recommande à tous. Et c'est moins mauvais pour la santé. Ouais. C'est de l'acide citrique uniquement et pas de l'acide phosphorique comme dans le Coca-Cola. Maintenant, Théo va s'occuper des barres de céréales. Tout le monde cache ses yeux. Donc là, ici, c'est une barre de céréales classique Formi et une de Oxfam. Alors, il commence à goûter par une. Attention. Est-ce que c'est très bon? Vous pouvez vous approcher du micro et dire un peu vos commentaires. Bah, elle est assez pralinée. Elle est très dure. Ouais. Maintenant, vous allez recevoir un autre bout. Vous allez manger. Alors Lucas, qu'en penses-tu? Il y a beaucoup moins de chocolat et beaucoup plus de céréales. Il y a presque pas le goût de chocolat. D'accord. Et toi, t'en dis quoi? Je crois que c'est la deuxième était celle d'Oxfam. Elle était meilleure. Un peu. Vas-y, tourne. Tourne le micro. Et toi? Bah celle-ci est beaucoup plus molle et celle-ci, je pense, l'autre était plus Oxfam, je pense. Ah, c'est très bien. Alors maintenant, on va vous dire la vérité. La première était la barre Choco Crispy d'Oxfam. La deuxième, Formi, la barre de céréales classique. Donc, j'ai gagné. Alors elles sont très différentes. C'est vrai qu'on peut pas réellement faire de commentaires pointueux vu que ce sont des barres de céréales très différentes. Mais c'est génial. Alors maintenant, tout de suite, on va s'écouter Passaggio et on se retrouve tout de suite pour de nouvelles aventures.
votre radio vous souhaite un joyeux Noël.